Avec moi, personne n'entrera ici avec de la nourriture. On va passer une super soirée. Oui, c'est parti! Arrêtez-vous là, mesdemoiselles. J'adore ce moment de mon travail. Nourriture interdite. Mais donnez-moi ça! Leur place est à la poubelle. Oula! Quel rabat-joie! C'est le meilleur métier du monde. Joyeux Noël! Arrêtez-vous là, Père Noël! Vous êtes vraiment le Père Noël? Je crois que vous avez mangé un peu trop de gâteaux récemment. Je rigole, Père Noël, allez-y! Merci! Pourquoi est-ce que tu es si content? On s'ennuie ici sans nourriture. Papa Noël a une petite surprise. Mais non! Des bonbons! Oh oh oh! Incroyable! Le Père Noël n'a pas fini! J'en veux! C'est à moi! Mon préféré! Que la fête commence! C'est la dernière lettre. Tu as pris ton temps. On peut se détendre maintenant après ce dur labeur. Qui a laissé une balance ici? Ça ne peut pas faire de mal de connaître mon poids. Il doit y avoir une erreur. Je savais que je n'aurais pas dû prendre ce donut. Je dois faire quelque chose. Tout doit disparaître. Il ne faut pas que j'aie de tentation. C'est une zone sans bonbons. Mon tour de taille me remerciera. Que des encasses. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vais prendre un selfie. Oh, une notification. Une soirée de Noël sans bonbons? Elle est sérieuse? Bon, ça reste une soirée. Mais bon, il doit bien y avoir un moyen d'amener des bonbons quand même. Ça vaut le coup d'essayer. D'abord, je vais faire fondre ces sucettes. Ensuite, je vais verser le mélange dans cette coque de téléphone. Ça fait joli avec ces différentes couleurs. Maintenant, je laisse sécher. Un bonbon secret. En aucun cas, je ne mange du céleri ce soir. Salut les filles! Tu es venue! Tiens, un bout de céleri! Oh! Bon, je dois aller m'occuper des autres, mais n'hésite pas à reprendre du céleri. Et il y a aussi des tomates. Mon téléphone a l'air tellement bon. Je peux goûter? Oui, partage. Ne t'inquiète pas, j'en ai plusieurs. Tiens! Oh, merci beaucoup! J'adore! Hein? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il se passe? Elle lèche des coques de téléphone? Oh, il faut que je change d'amis. Mais si elles le font toutes, je devrais le faire aussi. Je ne comprends pas. Tu vas bien? Quoi? Oh, rien! J'ai trop hâte! C'est la soirée dont on parle partout! Bonsoir les filles. Ouvrez vos sacs, s'il vous plaît. Pas de problème. Allez, c'est bien ce que je me disais. La nourriture est interdite. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était pour une fois? Oh, regarde-moi ces têtes d'ange. Non! Méchant! Qu'est-ce qu'on fait? Hé! Quoi de neuf? Ça va? Vas-y, entre! Merci! Et on devrait faire un déj. Carrément! Mais elle avait... On avait... ce n'est pas normal! Écoute-moi bien, mon pote. On va rentrer et on entre avec nos bonbons. Tu ne peux pas nous en empêcher. Tu ferais mieux de ne pas t'en prendre à nous. Je veux le nom de ton manager et de son manager. Oh, je vais écrire un beau mail bien senti. Tu te prends pour qui? Ça commence à bien faire. Tu viens de... Non, je n'espère pas pour toi. Arrête, j'ai une idée. Waouh! Assieds-toi. On peut cacher des trucs dans tes cheveux. Tu aurais dû le dire plus tôt. Ne bouge pas. C'est presque bon. Il faut que je repasse ta queue de cheval. Voilà, maintenant je rajoute quelques accessoires. Ça donne un air festif. Voilà, une jolie coiffure qui contient quelques surprises. C'est trop malin. Oula, c'est lourd. J'ai l'air de quoi? Tu es parfaite, c'est parti. Encore vous? Ouvrez vos sacs. Content? C'est bon, vous pouvez y aller. Oups, pardon. Vite, entre. C'est une coiffure volumineuse. Fonctionner! Trop bien! Oh oh! Ah! Hé! Hey, c'est une fontaine à coca! Sympa! Wouh! Trop bien! Oh! Servez-vous! Ah! Une bonne soirée tranquille à la maison! Ça va me faire du bien! Oh, vide! Trop triste! Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est vide aussi! Quoi d'autre? C'est quoi ça? La soirée de Noël? J'avais complètement oublié! Si je me dépêche, je peux être à l'heure! Voilà, c'était rapide! Mais ce n'est pas très festif! Ah, ça fera l'affaire!
Je vais prendre quelques trucs à grignoter avec moi. Oh, ça! Et ça, ça a l'air bon! Et n'oubliez pas, si je vois des bonbons, c'est l'heure de colle! Je ne veux pas prendre d'heure de colle, je ferais mieux de les laisser là! Mais en même temps, j'adore les bonbons! Attends, mon bonnet? Je peux m'en servir! Prends un bonnet de Noël et de la barbe à papa! Fixe la barbe à papa à l'extérieur du bonnet! Personne ne verra la différence! Arrête-toi là! Donne-moi ça! Donne-moi les bonbons! Allez! Ils n'apprendront jamais! J'espère que ça va marcher! C'est le bonnet le plus gourmand qui existe! Ok! Reste détendu! Stop! Je vais vérifier que tu n'as rien! Je ne vois pas de bonbons, mais je sens une odeur sucrée! C'est mon parfum! Achoum! Entre! Vas-y! Ça a fonctionné! Merci! Je croyais que c'était censé être une fête! C'est trop nul! Et joyeux Noël! Ouh! Qui veut s'amuser? Pourquoi tu es si contente? Goûte ça! Je ne veux pas manger ton bonnet! Comme tu veux! Soit elle est folle, soit c'est comestible! Servez-vous, les filles! De la barbe à papa! Pas mal, non? Ne bougez pas pour que je puisse passer le détecteur. C'est bon, vous pouvez y aller. Suivant. Stop. Vous avez des bonbons. Peux pas vous laisser entrer. Pas de bonbons. On ne savait pas, promis. Mettez-vous sur le côté. Oh, allez. Hé, je sais comment on peut entrer avec nos bonbons. C'est une idée géniale. Vous avez des bonbons sur vous. Hé, c'est quoi ça? Pardon, je passe. Y a rien à voir. On y est presque! Pas de stress! Pourquoi tu t'es arrêtée? Oh! Je peux vous aider? Parlons-en! Qu'est-ce que j'ai dit? Pas de bonbons! J'étais sûre que ça marcherait! Plan B? Bonjour, videur qui fait peur! Vous pouvez m'aider? Je suis perdue! Il faut que j'aille au magasin! Vous êtes là! Et le magasin est vraiment juste ici! Des bonbons! Plus à geste! Marche arrière! Oh! C'est sans espoir! Le videur est trop malin! Une petite minute! Donne-moi ce gâteau! Je sais! Je vais le mettre sous ma robe et l'attacher avec cet élastique! Je vais en mettre un autre ici! On dirait que la robe est faite comme ça! Dis donc! Ça, c'est malin! Je vais le distraire! Regarde! Compris! C'est parti! Encore vous? J'aime bien votre robe. Hé, donnez-moi cette sucette. Ah, vous êtes méchant. Allez, entrez. Une bien bonne sucette. Tout métier a ses avantages. On a réussi! En beauté! La langue en bonbon a bien fonctionné. Bien, on dirait qu'il n'y a personne dans le coin. Je vais grignoter un truc en douce. Je vais juste retirer mes écouteurs sans fil et y ajouter du chocolat. Oh, c'est à la fois chocolaté et gluant. Je vais le secouer un peu. Maintenant que c'est sec, je peux les sortir. Tada! Des Air Buds en chocolat. Ils sont délicieux! C'est la meilleure idée que j'ai eue! Mais chut! Oh, j'ai super faim, mais je suis coincée en salle de colle! C'est trop nul d'être punie parce qu'on est en retard! Ça suffit! J'ai besoin de manger quelque chose tout de suite! J'ai ce paquet de cookies! Il doit bien rester quelque chose à manger là-dedans! Les miettes m'iront très bien! Allez dans ma bouche! Attends, c'est tout? Non! Il doit bien y avoir quelque chose d'autre que je puisse grignoter! Peut-être ici? Ouais, je savais que j'avais collé un bonbon là derrière! Oh, yes! Tout ce dont j'avais besoin! C'était très bon, mais j'ai encore faim! Monsieur? Hé, monsieur le professeur? Je peux aller aux toilettes? C'est non! Vous êtes en retenue! Mais regardez le nombre de lignes que j'ai déjà écrites! C'est pas assez! Continuez! J'arrive pas à croire qu'il soit juste assis là à me regarder! Oh, il est occupé! C'est l'occasion de passer un appel!
David, je suis en salle de colle. J'ai trop faim. J'ai besoin de ton aide. Sérieux? Tu veux que je voie si je peux faire quelque chose? Hein? Hé, c'est l'heure de passer à table. Ok, voyons voir. Il y a le prof assis à son bureau. Oh mon Dieu, je suis là. Attends. Oh mon Dieu, non, c'est David. Hé, je suis là. Hé, Madison, je suis là. Attends. Ok, je prends ce skateboard. Je vais y ajouter quelques snacks. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre du ruban adhésif à ces sachets et les coller sous la planche. Je vais la remplir de toutes sortes de friandises. Maintenant, je dois livrer ça à Madison avant qu'elle ne meure de faim. Hé, regarde ça. Je suis un génie. Ok, il est prêt à être expédié. Oh mon Dieu, il m'envoie son skate. Je l'ai. Voyons voir ce qu'il m'a envoyé. Ouais, il a assuré. Regardez tout ce qu'il y a. Oh mon Dieu, ça sent bon. Yes, il n'a rien remarqué. Salut, voici mon billet électronique pour le film. C'est bon, vous pouvez y aller. Salut, je viens voir le film. Voici mon ticket. Je dois contrôler votre sac. Oh, sérieux? Ok, voilà, je vais le vider. C'est tout ce que j'ai sur moi. Quoi? Des bonbons? Je dois vous les confisquer. Méchant! Ah, je fais juste mon travail. Oh non! Cet agent de sécurité n'est pas incommode. Il y a peut-être quelque chose à faire, ceci dit. Oui, bien sûr! Je peux utiliser mon maquillage, c'est la solution. Ok, d'abord je dois me débarrasser du maquillage actuel. Et maintenant, ma brique de jus de fruits. J'adore ça. Je vais en aspirer dans cette seringue. Ok, ça devrait être assez. Maintenant, j'ai juste à l'ajouter dans le récipient du gloss. Je vais le remplir autant que possible. Voilà. Et maintenant, je remets le bouchon dessus. Il faut bien le fermer. Je ne voudrais pas que ça coule dans mon sac. Très bien. Pas moyen qu'ils disent que ce n'est pas du maquillage. Regarde, je peux l'appliquer sur mes lèvres et c'est trop bon! Très bien, il est temps d'aller voir ce film! Oh, stop! Je sais que vous voulez regarder dans mon sac. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vider pour que vous puissiez bien voir. Ouais, j'avais des sucreries, vous pouvez les prendre. Allez à la poubelle, bye bye! Mais ça, c'est mon maquillage, je peux le garder, non? J'en ai besoin pour garder mes lèvres humides. Je me fiche du maquillage. Allez-y! Super, merci! Passez une bonne fin de soirée! Cette fille était bizarre. Cool! J'ai réussi à entrer dans le cinéma avec mon jus de fruits! En parlant de ça, j'ai envie d'y goûter maintenant! Arrêtez-vous! Pas de nourriture ni de boisson dans cette fête! Oh non! Il vient de renvoyer ce type qui avait à manger! Comment je vais faire avec mes bonbons? J'en ai besoin! Je vais tous les manger! C'est trop bon! Oh, je peux en cacher un peu ici! Dans mes manches et dans mes chaussettes! Ok, ça devrait marcher. Il est temps d'aller à cette fête. Laissez-moi voir. Vous avez de la nourriture ou des boissons sur vous? Vous vous moquez de moi? Je vois vos bonbons. Des bonbons? Ils font partie de ma tenue. Allez, dehors. Oh, pourquoi il ne m'a pas cru? Hé, une seconde. Peut-être que ce collier peut m'aider. Ok, je vais commencer par le couper juste ici. Voilà. Et maintenant, je peux commencer à le démonter. Au revoir, les fleurs. Nous y voilà. C'est la dernière. Maintenant, j'ai la ficelle. Je vais les tirer pour qu'elles soient bien droites. Et maintenant, je vais y placer des bonbons. Je vais les aligner le long de la corde comme ceci. Et je répète ceci tout du long. Regardez tous ces bonbons! Délicieux! Je retourne les extrémités en dessous. Il faut que les rubans pendent. Ok, ajoutons-en encore plus. Plus il y en a, mieux c'est! Et ensuite, je vais remettre les fleurs, bien sûr. C'est très crédible et très joli. Ok, je pense que c'est bon. Allons vérifier. Ouais, ça donne une jupe vraiment sympa. Je suis trop forte. Hé, je peux aller à la fête maintenant? Vous êtes la fille de tout à l'heure. Laissez-moi regarder de plus près. Ok, c'est impeccable. Mais d'abord, limbo! Ouh, passez en dessous. Allez! Yeah, c'est amusant! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est difficile! J'ai besoin de sucre pour reprendre de l'énergie. Il n'a rien capté. Délicieux! Et maintenant, j'ai assez d'énergie pour faire la fête toute la nuit. C'est parti! Bien, ce thé va être très bon. Oh, pendant que j'attends qu'il refroidisse. Hé, salut David! Hein? Je veux quelque chose à boire moi aussi. Oh, ok, bien sûr. Oh, il y a du cacao là-dedans.
Miam! Des bonbons! Ouais, je vais lui prendre ça. Hé, hey, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as mangé tous les chocolats! Allez, donne-moi ça, je ne plaisante pas! Donne-moi ça tout de suite, je vais me fâcher! Oh, je suis furieux! Chocolat! Ça va, reprends-le si c'est si important pour toi. Ouais! Merci, David! Super, maintenant je n'ai plus de bonbons à manger. Ok, je ne la vois nulle part. Je vais essayer d'être discret. Je vais prendre mon sachet de verre en gélatine que j'ai caché ici. Yes! J'aime trop ces bonbons, ce sont mes préférés! Salut David! Peux avoir des verres en gélatine? S'il te plaît! Oh, prends tout le sachet pendant que tu y es! Elle l'a pris, mais ça faisait partie de mon plan! Parce que pendant qu'elle mange ça, j'ai ma vraie réserve secrète! J'ai pris un tube de dentifrice que j'ai vidé. Oh, regardez-moi ça! Une fois le tube vide, je jette le dentifrice et je le remplace par des verres en gélatine. Je vais simplement les glisser dans le tube, ils s'adaptent parfaitement. Maintenant, il faut remettre le bouchon pour finir le travail. Voilà! Dès que je veux un verre en gélatine, j'en ai un tout prêt! Oh, j'ai hâte de manger ces délicieux bonbons! Trop bon! Oh, j'ai super faim tout d'un coup! Attends, mon crayon, bien sûr! Et si c'était en fait un bonbon? Yes! Je vais le manger! Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? David, stop! Hein? Quoi? T'en veux? Si je veux manger ton crayon! Un crayon? Oh, c'est vrai! J'imaginais que c'était un bonbon! Oh, David! Tiens, laisse-moi te montrer en quoi mon crayon est différent. D'abord, je prends du chocolat, puis je le mets sur une cuillère et j'attrape mon sèche-cheveux. Je fais fondre ce chocolat, puis je prends mon crayon. Les gommes sont assez faciles à enlever. J'ajoute un petit tube à cette extrémité du crayon. Comme ça, je n'ai plus qu'à verser le chocolat fondu à l'intérieur. Oh, regarde ça! Ça a l'air trop bon! Mais j'ai besoin d'attendre que ça refroidisse. Et tada! Une gomme en chocolat sur mon crayon! Tu as bien suivi, j'espère! Tiens, tu peux y goûter. Waouh, merci Madison! Tu es géniale! C'est trop bon! Ça fait vraiment du bien en plus! David, non, arrête! Le reste du crayon n'est pas en chocolat! Oups, c'est vrai, j'avais encore oublié. Autant pour moi. Hé mec, arrête-toi là, faut que je te scanne. Non, tu connais le règlement, nourriture et boisson interdite. Ok, t'énerve pas. Ne bouge pas, je vais te scanner. C'est bon, tu peux y aller. Hé, cette boîte est super! Et maintenant, c'est l'heure d'un petit goûter! Cette couronne est délicieuse! Mais qu'est-ce qu'elle? Aïe! Je suis trop contente, ça a marché! Je garde le reste pour tout à l'heure! Allez, au suivant! On lève les bras! Oh non! Ils fouillent tout le monde! Qu'est-ce qu'on va faire avec nos friandises? Il faut qu'on les cache. Et à ton tour, mec! Tu te fiches de moi? C'est quoi cette tablette de chocolat? Oh, bien sûr! Une petite seconde. Regarde ce tour incroyable! Et voilà! Le chocolat a disparu! Et je l'ai téléporté ici! Waouh! Comment est-ce que tu as fait ça? Mais ça ne change rien au règlement! Passe une bonne journée! Je n'arrive pas à croire que tu lui as donné mon chocolat! Je sais, mais regarde! Grâce à mon tour de magie, on a toujours le mien! C'est vraiment super bon! On s'arrête? Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens remplacer la boule disco. Ah, d'accord, allez-y. Pourquoi est-ce que tu as apporté une boule disco? Oh, c'est pas une boule disco! Je vais vous montrer. D'abord, j'ai pris une petite pastèque. J'ai attrapé ma bombe de peinture argentée comestible. Et j'ai recouvert la pastèque entièrement. Ensuite, j'ai fait de petits carrés de papier aluminium et je les ai collés sur le pastèque. Je les ai alignés bien régulièrement et voilà le résultat! Qui veut de la pastèque?
Elle est super fraîche. Il faut rester hydraté si l'on veut faire la fête toute la nuit. Arrêtez-vous là. Qu'est-ce que c'est? C'est pour remplacer la boule disco. Je suis le réparateur. Mais si vous êtes le réparateur, alors qui est? Cette boîte est vraiment étrange. Salut! Je suis venue faire la fête! Hé! Nourriture et boissons interdites! Ah! Mais je n'ai rien sur moi! Votre chewing-gum, il compte! Crachez-le! Je peux y aller maintenant? Pas si vite! Je vais te scanner! Je sais pas... Il y a quelque chose qui ne va pas! Oh! Je sais! Tes cheveux! Oh non 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 non! J'en ai pas fini avec toi. Attends-moi ici. Avec ça, tu ne peux rien me cacher. C'est bon, j'ai fini. Tu peux y aller maintenant. C'est pas trop tôt? Waouh! La musique est super! Et bien sûr, j'ai mes bonbons secrets! Des Starbursts! Ils sont faciles à transformer. Alors je les ai posés sur des faux ongles. Une fois qu'ils ont eu la bonne forme, j'ai mis les ongles. Et voilà, une manucure de bonbons. Un bonbon au bout de chaque doigt. Et sur mon pouce aussi, bien sûr. La manucure terminée, je suis allée en boîte. Et maintenant, je peux me régaler. Mais elle vient de manger son ongle. Quoi? C'est dégoûtant. Allez, on se tire. Une seconde. Attendez, je dois retoucher mon maquillage. C'est bon, je suis prête. Voyons voir. Hé! Oh mon Dieu! Je suis super en retard! Oh! Du maquillage! Je peux te l'emprunter, s'il te plaît? J'ai pas eu le temps. Non, désolée, je ne peux pas te le prêter. Elles sont bizarres, ces deux-là. Mais tu ne vas pas me laisser en plan comme ça! Donne! Non, mais... Je demande juste un peu d'aide. Hein? Mais pourquoi ça marche pas? Je crois que ton maquillage est... Ah! Je vois! Cette fille vient de lécher du maquillage. Allez-y! Dégoûtant! Quelle bonne idée d'avoir caché tes bonbons comme ça! Eh oui! C'est une bonne petite solution! Miam! Délicieux! On va passer une super soirée. Hé! Nourriture interdite! Allez, reviens quand tu auras fini! À ton tour. Voyons si tu caches quelque chose. Oh non! Faut pas qu'il trouve mes bonbons! Hé! Son collier! Ça me donne une petite idée! Eh oui, ça va marcher, c'est sûr. Voilà. Et en plus, c'est la classe. Qu'avons-nous là? C'est bon, tu peux y aller. Super, j'ai réussi à entrer. Et maintenant, goûtons ça. Est-ce qu'elle vient de manger son collier? Toi aussi, tu as vu ça? Eh, on peut en avoir un bout? Bien sûr. Tenez! Merci, c'est délicieux! Oh, comme il est beau! Pas si vite! Nous n'acceptons ni nourriture, ni boisson! Je dois vérifier avant de te laisser entrer! Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, tu peux y aller! Elle va me confisquer mes Skittles! Tiens, le guerrier barbu! Voilà la solution! Il me faut une fausse barbe et de la colle chaude, bien sûr. Je fais une ligne comme un sourire de smiley. Et ensuite, j'ajoute un bout de tissu. Ça me fait une poche et je vais pouvoir y mettre mes Skittles. C'est vraiment une super idée! Barbe en place, bonbons cachés! Allons faire la fête! Une seconde!
Dieu, c'est le guerrier barbu. Allez-y, monsieur. Super, j'ai réussi à entrer. Hé, jolie barbe. Elle te plaît? Elle cache des bonbons. Incroyable, c'est super cool. Je peux en avoir? Bien sûr, tiens. Hé, mec, arrête de donner des bonbons à ma copine. Oh, désolé, t'en veux aussi? Waouh, merci, mec. Ouf, ces bonbons viennent de m'éviter une belle raclée. La queue commence ici. Stop! Donne-moi tes bonbons et ton eau. Fais voir ce que tu as dans ton sac à main. Oh non! Ils confisquent tous les bonbons! Qu'est-ce que je peux faire? Tiens, ces barrettes me donnent une idée. Je crois que ça va marcher. Et voilà, des bonbons en cœur pour mes cheveux. Allez, à ton tour. Voyons voir. C'est bon, tu peux entrer. J'y suis et je vais me régaler. Et tu peux en avoir un aussi. Oh, merci, tu es gentille. Arrêtez-vous! J'y suis! Mademoiselle? Oh! Vous ne savez pas qui je suis? Stop! Moi? Vous avez de la nourriture sur vous! Personne ne me dit ce que je dois faire! Vous me reconnaissez maintenant? Et alors? Moi aussi je suis sur le mur! Alors, vous avez de la nourriture sur vous ou pas? Levez les bras, voyons voir. Ça me paraît bien. C'est moi le boss ici. Wouhou! Oh, bref. J'ai cru que ça ne passerait jamais. J'ai plus besoin de ce truc. Hein? Une minute. Ce n'était pas la vraie chanteuse? Bah! Mon parfum préféré! Oh! Je suis trop forte! Ah! Oh, comment je vais passer avec ça? Je n'ai pas assez de poches! Je ne passerai jamais la sécurité! Non, je vais me faire griller à coup sûr. À moins que... J'avais oublié ces poches. Phew. Stop. Pas de nourriture? Voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Bruyant, ces sous-vêtements. Ça va. Vous êtes contente? Vous m'avez eue. Oh! Comment je vais faire maintenant? Hé! C'est peut-être ça la solution! Prends deux bols de taille moyenne et remplis-les de bonbons. Mets-les ensuite sous ton pantalon. Stop! Voyons ce que vous cachez. Rien du tout. Merci. Waouh, c'est le genre de truc qu'on n'oublie pas. Wouhou, j'ai réussi. Je m'en sors bien, n'est-ce pas? Hein? Oh mon Dieu! Waouh, allez! Salut. Un petit chocolat, les filles. C'est la meilleure soirée de tous les temps! Arrêtez-vous, mademoiselle! Je dois vérifier si vous n'avez rien à manger! Pas besoin, je suis clean!
Elle est à l'envers. Waouh! Impressionnant, je sais. Merci. Pfiou! Vous veillez au grain, hein? Waouh! C'était gênant. Pfiou! Un peu de sucre devrait arranger ça. Je suis trop forte. Stop! Pas de nourriture à l'intérieur! Les bras en l'air! Mon Dieu! C'est bon, passez! Vous pouvez lever les bras. Oh non, pas de nourriture! Je vais me faire prendre! Oh, il m'en reste tellement! Oh. Ses cheveux, ça ressemble, non? Allez, réfléchissons vite! Mais bien sûr! Dreads vertes, me voilà! Vous pouvez y aller. Moi, j'arrive! Si vous cachez de la nourriture, je vais le savoir! Détends-toi! Et… On ne peut pas manger! Aucun problème! Moi, je viens danser, pas festoyer! Je suis les règles! Je ne triche pas! Laisse-moi entrer, tu ne le regretteras pas! Oh ouais, c'était bon! Pas de nourriture, yo! Ha! J'adore! Entrez! Hey, j'aime bien tes cheveux! Ah ouais? Eh bien, sache qu'ils se mangent! Waouh! Qu'est-ce que t'en dis? Je peux? Ah! J'adore les verres! Stop! Voyons voir! Allez-y! Hé! Vous n'avez pas de nourriture, n'est-ce pas? Et vous, mademoiselle? Qu'est-ce qu'il y a sous votre bras, là? Montrez-moi vos mains! Oh! Tu cachais tout ça, hein? Ha! À plus! Ce type est méchant! Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Oh, salut! Moi aussi, j'adore les chaînes! J'adore la vôtre! C'est ça! Vas-y! Passe-moi tes chocolats! Fais-moi confiance! Je reviens! Ok… Ah, tu étais où? J'ai fait ça pour toi! Essaye-le! Oh, cette chaîne est incroyable! Elle est unique en son genre! Bienvenue au club! C'est génial ici! Et regardez mon superbe collier! Je grignoterai bien un petit truc! Lequel vais-je choisir? Celui-ci! Vive le chocolat! Ils ne sont pas délicieux! Et dire qu'on a failli ne jamais entrer! Miam! Hé! Hey, c'est ma chanson préférée! Stop! Pas de nourriture à l'intérieur! Je m'en fiche! Alors? Pardon? Pourquoi ne dites-vous rien? La 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 la. Oh! Je ne suis pas payée pour ça! Oh! Oh, c'est votre langue? Oh, je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait! Oh, je me sens tout bizarre. Oh. Quel idiot! Ma langue va très bien, mais ça, ça m'appartient. Hein? Oh mon Dieu! Je reprends ça. Ne vous inquiétez pas.
J'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Tout ce travail m'a donné faim. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Ahem. Qu'est-ce qui est écrit là? Donne-moi ces bonbons. Oh, c'est pas cool. Je sais, c'est pour ça que je suis prof. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre ça avec le reste de la contrebande. Je ferai bien de l'ajouter à la liste. C'est une belle collection. Yo les intellos. Ouais, c'est moi. Elle est tellement belle. Hé, hey, Jared, j'ai quelque chose pour toi. Génial, c'est un petit chien. J'adore les chiots. Quoi? Non, c'est là. Mais je vois pas de chien. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai, une seconde. Je comprendrai jamais les femmes. Oh non, mon lacet est défait. C'est mon bureau, j'espère que tu vas le nettoyer après. Regarde ça. Une réserve secrète de bonbons, waouh. Je me sers, hein. C'est trop bien. Pas de quoi. J'aurais bien aimé avoir un chien quand même. Mais merci Molly. Mettez tous les bonbons dans la boîte. J'espère que vous êtes contente. Ravie. Suivant. Lolala. Halte là. Pas de bonbons dans la classe. Sérieusement? Je pensais que c'était une blague. Vous vous moquez de moi, pas vrai? Hé, écoutez ça. Je ne devrais probablement pas, mais bon, juste une fois. Oh, c'est entraînant. J'aime bien. J'en étais sûre. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Bien tenté, mais tu ne m'auras pas comme ça. Bonbon interdit. Je ne veux pas jeter ma sucette. C'était ma chanson préférée. Maintenant, elle est gâchée. Attends une minute. J'ai une idée. Je vais prendre ma sucette et la faire fondre. Ensuite, je vais avoir besoin de cette seringue. Je vais remplir la seringue avec le bonbon liquide. Il faut que je fasse vite. Je veux pas qu'il durcisse. Maintenant, j'ai besoin de mon étui à AirPod. Je vais injecter les bonbons dans l'étui. La seringue rend la tâche plus facile. Maintenant, le deuxième. Ça devrait le faire. Je vais refermer l'étui et attendre que ça durcisse. J'espère que ça va marcher. Je vais mettre les AirPods de bonbons dans mes oreilles. Il va falloir que je sois convaincant. Heureusement, je suis un excellent danseur. Oh, super, il danse encore. Pas de bonbons, vous voyez? Tu peux y aller. La 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 la. Ouf, j'ai réussi. Trop bon. Elle file dans les airs et Jared l'attrape. Ouais. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, j'avais oublié que j'avais des devoirs. C'est trop nul. Je ferais bien de m'y mettre. Ou alors, je pourrais manger des bonbons. C'était une décision difficile. C'est tellement bon. J'adore les bonbons. Wow, regarde ça. C'est de l'art. Si je les mets comme ça, ça fait un dessin. Ça me donne une idée. Je vais disposer les bonbons sur la toile. Maintenant, je vais prendre une autre couleur. Je vais faire un triangle et le remplir. Ensuite, je vais ajouter des détails. C'est une pastèque en bonbons. C'est ma plus belle œuvre jusque-là. Je devrais aller à l'école. Ne bouge pas. S'il y a des bonbons, je les trouverai. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Allez, je veux pas être en retard. Oh, tu as une pastèque aussi. Des bonbons grillés. Je pensais que ça marcherait. Hors de ma vue. Ça va être difficile. Moi, j'essaierai jamais de faire entrer des bonbons en douce. D'accord, c'est suspect. Allez-y, scannez-moi. Je n'ai rien à cacher. Ok, c'est tout bon. Ça a marché. Je veux dire, merci. J'arrive pas à croire qu'il ait trouvé mes bonbons. La voie est libre, c'est l'heure de manger des bonbons. Remettez-moi vos œuvres. Hé, hey, mais c'est à moi. C'est l'heure de l'évaluation. J'avais hâte de manger mes petits bonbons bien sucrés. Excellent travail de la classe, je suis fière de vous tous. Mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. C'est difficile, mais c'est celle de Jared que je préfère. Beau travail. Hein? Moi? Vraiment? Toi, allez, monte. Wow, c'est incroyable. Je voudrais remercier mes parents et bien sûr... Quoi? J'ai un trophée. Wow. Oh, et des fleurs, mes préférées. C'est magnifique, Jared. Merci beaucoup, wow. Elle a mauvais goût en matière d'art. T'es juste jalouse. T'auras plus de chance la prochaine fois. J'ai bien mérité une récompense. Ça, c'est l'art que j'adore. Quel chef-d'œuvre. Hein? Ça sent... les chips. Stop! Donne-moi ça. Hé, hey, va t'en acheter. Oh, les jeunes de nos jours. Il ne faut pas qu'ils voient ça. Comment je vais faire? Il faut que je trouve une solution. Mais laquelle? Oh, c'est Molly. Salut, Molly. T'es superbe aujourd'hui. Oh, c'est toi.
Salut. J'ai lu ça hier soir, c'est très intéressant. Attends, fais voir ta cravate. Mais c'est ma cravate préférée. Chut, toi tu viens avec moi. Tu veux pas qu'on apprenne à se connaître d'abord? C'est pile ce qu'il me faut. Qu'est-ce qui se passe? Quand je vais raconter ça à ma mère... Je vais retourner la cravate et la mettre à plat. Et j'ai besoin de colle. Je vais mettre des points de colle sur la cravate. Puis j'y colle des bandes de tissu élastique. Je continue sur toute la longueur. Il faut qu'il soit bien collé. Voilà le dernier. Maintenant, je vais glisser des sucreries dans les élastiques. C'est pile la bonne taille. Voilà, c'est prêt. Sois naturel, personne ne remarquera rien. En fait, ça me va bien. Et j'adore les accessoires. C'est l'heure du petit goûter. Je vais me régaler. Manger des bonbons en secret, c'est le pied. Hey Molly, maman veut savoir si tu veux venir dîner à la maison. C'est pas bon. Salut Jared, je commence à regretter. J'ai plein d'autres cravates si tu veux, mais ça te coûtera un bisou. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, tu as des bonbons? Ah, comment vous savez? Je suis prête à faire la fête. J'y suis presque. Oh oh, je crois qu'on est repéré. Bien tenté, maintenant reculez. Entendu, ne me faites pas de mal. Profitez de votre soirée. Comment il a su? C'est comme s'il avait des super pouvoirs. Il faut qu'on trouve un autre plan. Je crois que j'ai trouvé. Où est-ce qu'on va? Pourquoi il fait toujours ça? Attends. Ça peut toujours servir. Ça fait une jolie ceinture, mais je n'ai pas encore fini. Je vais prendre des bonbons. Et je vais les accrocher au collier de fleurs. Je fais ça sur tout le tour. C'est tellement coloré. Je pourrais être créatrice de mode. Ça devrait le faire. Devine où j'ai caché les bonbons. Je vais te donner un indice. Dans mon chapeau. J'aurais jamais deviné. Regarde ma jupe. Très branchée. Allons-y. J'adore ce boulot. Je peux faire peur aux gens. Salut, on est là pour la soirée. Laissez-moi vérifier. Pas de soucis, on n'a rien à cacher. On n'est jamais trop prudent. C'est bon, je peux y aller? Amuse-toi bien. Merci, mon pote. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, ça? Une perruque, je suis chauve. C'est tout ce que t'as trouvé? Pas la peine d'être méchant. Bonne soirée. Non, mais sérieux. Wow, c'est génial! T'es superbe, Molly. Il a pris mes bonbons. Je sais pas comment il les a trouvés. T'inquiète pas, tu peux prendre les miens. Oh, merci. Il y en a assez pour tout le monde. Génial! Merci! Merci, Molly, t'es la meilleure! C'est vraiment beau! Excellent, Molly! Tu as un vrai talent! Oula, je vais faire des cauchemars! Hein? Je suis pas certain que ce soit un compliment. C'est l'heure du goûter! Psst, Molly! Psst! C'est tellement relaxant! Incroyable! Il n'y a qu'une chose à faire! Hé! Aïe! Pourquoi t'as fait ça? Regarde! Des crayons? Waouh! Non! Attends, tu vas voir! Il renferme un délicieux secret! Du bon chocolat! Plutôt malin, hein? Je sais que tu es jalouse! Je t'en prie! Regarde-moi ça! Une tablette entière de chocolat! Wow! C'est magnifique! Je sais! Et c'est à moi! Je vais me régaler! C'est trop bon! Tu adorerais! Oh! Tu veux jouer à ça? Moi aussi, je peux jouer à ce jeu-là! C'est l'heure des méga crayons! Hein? C'est quoi, ça? Une sucette géante! Rien que pour moi! Des sucreries dans ma classe? C'est un cadeau, juste comme ça, vous faites un excellent travail. Oh, un compliment, comme c'est agréable. J'en mourrai d'envie. Il me prend pour une idiote. Pas si vite. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Des bonbons? Je n'ai jamais laissé passer ça.
gênant! Mon short! Maman va être furieuse! Je dois y aller! Tout a l'air en ordre. Je n'y crois pas! Salut les garçons! Poussez-vous, monsieur! Oh, c'est si gentil! Fermez la bouche, les garçons! Merci, mon chou! Elle est magnifique! Je dois entrer là-dedans! Où est-ce que tu crois aller? On est complet! Quoi? Mais j'étais sur le point d'entrer! J'adore cette chanson! Mais danser me donne faim! Heureusement, j'ai un encas! Pour embourrer un soutien-gorge avec de la nourriture, il faut d'abord gonfler un ballon, puis verser dessus du chocolat blanc fondu. Recouvrir la partie supérieure du ballon et laisser refroidir le chocolat. Ensuite, verser du chocolat au lait. Recouvrir encore une fois la partie supérieure du ballon et laisser refroidir. Une fois terminé, il suffit de retourner le ballon et de le percer. Un délicieux bol en chocolat! Attention à ne pas porter du blanc! C'était une super idée! Oh non! Personne ne doit me voir! Et vous vous souvenez de moi? Oh, salut! Qu'est-ce qu'il fait? J'ai faim, moi! Tu veux bien aller me chercher à boire? Tu serais un ange! Phew! C'était moins une! Enfin! C'est tellement bon! Je ne peux pas m'arrêter de manger! Me revoilà! Il y a quelque chose de différent chez toi. Merci pour le verre. Est-ce qu'elle... Oh. Encore une nuit tranquille. Halte! Tournez-vous, je dois vérifier votre sac. C'est vraiment nécessaire. C'est moi qui pose les questions. Bien, bien, bien. C'est ce que je pensais. Pouvez-vous m'expliquer cela? Ce n'est pas mon sac. Salut! Ne me faites pas perdre mon temps! Vous avez de la nourriture? Non, pas moi! Qu'est-ce que... Quoi? Je ne comprends pas! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Enfin! Bon, tout semble être en ordre! Vous pouvez entrer! Quelque chose ne va pas! Qu'est-ce que vous voulez? Oh, zut! Il y a trop de choix! Je vais prendre des chips! Où est ma monnaie? Ça va être absolument génial! Ouf! Tout va bien, je l'ai! Mec, t'es bizarre! Hé! Regarde un peu ça! Attends, c'est un vrai sachet de chips? Merci! C'est bon, hein? Ouais! Allons danser! Je veux entrer! Pas de bonbons. Bien, tenez-moi ça. C'est trop nul. Salut. Sérieusement, je viens de dire pas de bonbons. C'est interdit. Oh, tant pis. Et voilà, content. Pourquoi est-ce que j'ai de la barbe à papa? Pour la dernière fois, pas de bonbons. Ce n'est pas à moi. Oh, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en sais? C'est pas juste! Je crois que j'ai une idée! Cette fourrure est incroyablement douce! Je peux entrer? Bien sûr, allez-y! Merci! Je suis entrée enfin! Et j'ai ma propre barbe à papa! Miam! Délicieux! Et super fashion! C'est comme manger un nuage! Miam! Waouh! Il faut que je prenne une photo! Hein? Hé! Psst! Mec! Il faut que tu vois ça! Quoi? Ce n'est pas de la fourrure! Ça va barder! C'était vraiment une super idée! Miam! Bien tenté! Donnez-moi ça! Quoi? Ça? Je ne suis pas idiot. C'est difficile à mâcher. Et ça gratte la gorge. Est-ce que ça va? Ce n'est pas de la barbe à papa. Oups!
voilà, comme neuf. Bonne soirée. Burk! Aucune nourriture ne passe ses portes. Personne aux alentours. Regardez comme je danse bien. Oh, sois cool. Ça va? Laissez-moi jeter un coup d'œil. C'est quoi ça? Videz vos poches. Les nouilles? Sérieusement? Non. Le soda, c'est bon. Pas la nourriture. C'est écrit là. Bon, les règles sont les règles. Je sais, maman. Je rentre bientôt. Oh, un soda. Hé, tu as laissé ça? J'ai une idée. On dirait que je vais pouvoir prendre mes nouilles, finalement. Prenez un verre vide. Et votre boîte de nouilles. Mettez la boîte de nouilles dans le verre. Puis, insérez une fourchette à la place de la paille. Je déchire! Hein? Je ne dansais pas. Je peux entrer maintenant. Je n'ai qu'un soda. Santé! Allez-y! Incroyable! Ça a marché! C'est parti pour un délicieux plat de nouilles. Je suis trop content! Ça sent les nouilles! Attendez, pas de nourriture? Mais oui, bien sûr! Halte! Qu'est-ce que vous avez dans la main? Oh, ça, c'est juste des bonbons! Pas ce soir! C'est pas si grave! Et maintenant? Regarde tout cet argent! Joli, joli billet! Tout ça pour toi! Pour moi? Non! C'est pas cool! Elle est partie! Enfin! Oh, un message! Je n'arrive pas à y croire! Oh, c'est mon unique chance! Oh! Stop! Oh! Non! Je veux juste... Je suis si près du but! Je pourrais faire ça toute la journée! Oh, c'est inutile! Oh, attendez voir! Je crois que j'ai une idée! Encore vous? On en a déjà parlé! Voilà pour vous! Pour moi? Oh, merci! Allez-y, entrez! J'ai réussi! Plutôt malin, non? Des bonbons! J'adore ce job! Et salut! J'adore ton collier! Wow. Merci! Il est spécial! Oh, regarde ça! Et il est délicieux! Waouh! Je peux goûter? Je t'en prie! Miam! C'est bon! Waouh! J'ai tellement de bonbons! Qu'est-ce qui prend autant de temps? Pas de nourriture! Mince! Il n'est pas cool du tout! Il ne faut pas qu'il trouve mes bonbons! Joli chapeau! J'ai une idée! Simple et joli! Hop! Je le remplace! C'était quoi? Sûrement rien! Ouf! À présent, au travail! Plaçons les bonbons sur le bord du chapeau! Parfait! Maintenant, remettons-le en place! Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Je devrais le mettre plus souvent! Stop! J'espère que vous n'avez pas de nourriture! C'est bon, allez-y! Halte! C'est bon! Qu'est-ce que je danse bien! C'est l'heure du goûter! Sur le côté et on évite! Où est-ce qu'il va? Salut! Oh, salut! On dirait que ça fonctionne! Allez! Je suis trop maligne! Je l'ai! C'est bon! Oh, je n'y crois pas! Il danse avec moi! Dégage! Ok, bye! Hé là! Où est-ce que tu vas? Regarde la pancarte! Glace interdite? Désolée! Ma glace à l'eau n'est plus qu'une flaque!
Tu peux entrer maintenant. Bon, bah, tant pis. Mais c'est pas si grave, j'en ai une autre. Mais pourquoi est-ce qu'il fait si froid ici? Pas si vite. Je peux pas te laisser entrer, nourriture interdite. Et tu n'es pas le loup qu'il faut, je vais t'arranger ça. Voilà, et ça c'est pour moi. Je suis un glaçon? Je regrette déjà d'être venue. Ouais, ils sont un peu excessifs à la porte. Presque fini. Arrête, j'ai le vertige. Tu connais le règlement. Nourriture et boissons interdites. Tu peux entrer maintenant? Tu as eu quelque chose dans tes joues. Crash. Bon, d'accord. Oh là là. Allez les amis, à qui le tour? Vas-y toi. Non, toi. J'insiste. Après toi. Ce sont des friandises? Non. Oh, t'as besoin d'une pastille à la menthe. J'avais déjà pris une douche, mais merci. J'ai compris, pas de nourriture. Oh, des chips, j'adore. Canne à pêche? Pourquoi faire? Donne-moi tes sachets et débarrasse le plancher. Tu veux aller à la pêche à la place? J'ai une meilleure idée. Main poilue, main poilue, jolie main poilue. Ah, super, tu veux quoi? Je peux entrer? Regarde, j'ai rien sur moi. D'accord, vas-y. Merci. Jolie main poilue. Ça a marché! Prêt? Vas-y. Prêt? C'est l'heure de la pêche. On y est presque. Continue. Mes chips! Je les ai. Ça a super bien marché. Hé, toi, je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. Être un démon, c'est du travail. On s'arrête. Mais qu'est-ce qu'il y a cette fois? Nourriture interdite! Éloigne cette glace de ta langue et donne-la-moi! Lentement! Non, elle est à moi! Délicieux! Mais qu'est-ce que... Ma langue! Elle est collée! Très drôle! Pour de vrai! Je peux vraiment pas la décoller! Fais quelque chose! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en peux plus! Regarde! Aide-moi! Il est carrément tombé dans le panneau. Attends, il se passe quelque chose, je crois. Si je continue à tirer... C'est vraiment affreux, mais en même temps fascinant. Peut-être que si je tire comme ça... Arrête de faire ça, regarde. Il ne se passe rien, toujours collé. Bizarre, d'habitude ça marche. Bon, encore une fois. Non, il te faut peut-être plus de chaleur. Je sais pas, donne-moi ça. Allez! Ouais, je l'ai! Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Je voulais pas! Ta langue, elle est... Oh là là! C'est horrible! Je crois que je vais... Merci, monsieur! Nanana! De la langue... Oh, j'adore cette chanson! Et cette glace? Je le savais! Je te l'ai dit, c'est interdit! Oups! Un peu trop fort! Quelle heure il est? Je crois que je dois y aller! Tiens! Une glace! Oh, il fait super froid ici! On s'arrête! Je crois pas que je puisse bouger, bro. Je te scanne. On peut faire un peu plus vite? Objet non identifié. Accès refusé. Action refroidir.
Mais qu'est-ce qui se passe? Commence à faire vraiment froid. Mon goûter! Tout est complètement congelé. Mise en veille. N'essaye même pas. C'est quoi son problème? Ah, super. Il y a un videur. Comment est-ce que je vais entrer avec mes bonbons? Je me demande si... Ça va marcher, c'est sûr. Pas mal du tout. J'ajoute un badge, quelques tubes. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire le robot. Je scanne. Arrête. Je suis la chef des robots. Tu peux disposer. Va prendre des vacances. Traitement de l'information. Vacances. Allons à la plage. Ça a super bien marché. Je vais pouvoir me régaler. Yeah! Non, je rigole. Oups, une seconde. Tu as des bonbons sur toi? Des bonbons? Non. C'est ça, ouais, donne. Bon, d'accord. Du chocolat? Mais où est-ce que tu te crois? Hé, c'est pas juste! Ma tablette de chocolat, je peux quand même la garder? Donne-la-moi. Voilà qui est mieux. Hé, c'est pas sympa. Je veux pas lui donner ma tablette de chocolat. Yeah! Comme ça? Bon, j'y vais. Je vais essayer de la cacher avec mon t-shirt. Bienvenue à l'Inferno. Tu as quelque chose à manger sur toi? Retourne-toi. Tu vois, j'ai rien. Rien du tout. Bon, tu peux entrer. Vas-y. Ça sent le... Chocolat! Je vais pas laisser passer ça! Pas si vite! Tac! Ça lui donne une leçon! Passe une bonne soirée! Elle ne se doute de rien! La 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 la! Mais qu'est-ce que c'est? On dirait... C'est pas possible! Ah! Attention! Ah! Comment je pourrais vivre sans maquillage? Surtout sans mon gloss préféré! Je ne peux pas me passer de ce truc! Mais tous les rouges à lèvres ne sont pas égaux! Madison a perdu la tête! Hé! Hey, il n'y a rien qui sort du mien! On dirait du poison! C'est quoi ce genre de maquillage? C'est du sirop, tu vois? Eh oui, du maquillage comestible, c'est nouveau! Alors, par quoi est-ce que je devrais commencer? C'est qu'il y a tellement de choix! Je suis trop heureuse! Elle va tout manger toute seule? Mais regarde! Waouh! Madison! Ouais? Je peux en avoir un? D'accord! Ces biscuits sont tout à toi! Merci! Et pour moi? Des bonbons à la pêche! Je peux t'aider? S'il te plaît! T'es sérieuse? Enfin, je veux dire, pas de problème! Tu es la meilleure, Maddie! Mais je n'ai pas encore fini! Madison? Oh! Quoi encore? Non, pas les petits yeux de chiot! Comment je peux leur refuser quoi que ce soit? Tiens, pour toi! À la mi
myrtille. C'est aussi mon parfum préféré. Et maintenant, il ne me reste plus rien pour moi. Rosie a pris tout mon attirail. Ça, c'est une mauvaise journée. À moins que... mon chewing-gum en tube. Trop bon! Hein? Il n'y a rien à voir par là. D'accord. La voie est libre. Je dois juste cacher ce truc. Et ma crème pour les mains devrait faire l'affaire. Il est temps de mélanger un peu les étiquettes. Tu as de la crème à portée de main? Retire son étiquette et colle-la sur ton tube de chewing-gum. Comme ça, elle ne se doutera jamais que c'est du chewing-gum. Oh, j'ai les mains un peu sèches. Heureusement que ma petite crème peut arranger ça. Qu'est-ce qui se passe par là? Quoi? C'est de la crème, tu vois? J'avoue qu'elle est un peu collante. Mais bon, j'en ai besoin. Si ça te fait plaisir. Oh là là! Comment je vais enlever ça? Comment tu as écrit Pangé? Je suis plus intéressée par la perspective du déjeuner. Je sais ce qui peut m'aider à tenir jusque-là. Il n'y a plus que des emballages! Moi et ma foutue faim permanente, il ne me reste plus qu'à attendre. Ouh, je peux piocher dans ma cachette secrète. Elle me sauve la vie! Bonjour, beau sandwich! Je l'ai mangé aussi! Ça en devient ridicule! Ce n'est pas avec ça que je vais aller bien loin. Je commence à avoir vraiment faim maintenant. Attends, tu crois que ces chewing-gums sont toujours bons? Ils l'étaient avant. Mais qu'est-ce que fait Rosie? Mais qu'est-ce qui me prend? Ma faim me fait délirer. Mais à situation désespérée, mesure désespérée. Viens par là, mon pote. Je t'en prie, ne me tue pas. T'en faut y aller. Hé, Rosie. Rosie. Non. Même pour la plus grande des fins, on ne prend pas un chewing-gum déjà mâché. Hé, j'en ai besoin. Je ne te pourris pas ta nourriture. Tu aurais dû me demander. Ça devrait t'aider à tenir. Ça ressemble peut-être à du stick à lèvres, mais ça n'en a pas du tout le goût. Oh, je préférerais encore manger ce chewing-gum. Fais-moi confiance, d'accord? L'odeur est plutôt agréable. Bon, je vais en prendre un petit bout. Oh, c'est super bon! Qu'est-ce que c'est comme maquillage? Il va te falloir un bout de fromage et un stick à lèvres vide. Appuie avec le tube dans le fromage. Et quand tu l'en sortiras, il sera rempli de bon fromage. N'oublie pas de remettre le bouchon. C'est une idée de génie! Il ne me manque plus que du pain. Heureusement que j'en ai pris deux. Ceux qui aiment le fromage sont faits pour s'entendre. On a encore un peu de récré, ce qui veut dire qu'on a le temps de manger. Trop bien! J'ai aussi apporté des gâteaux. Un petit goûter ne va pas me faire de mal. Ah, on oublie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez ranger ça? D'accord. S'il le faut. J'espère que vous avez tous fait vos devoirs. Elle a l'air distraite. J'ai juste besoin d'une bouchée. Excusez-moi. Pas de nourriture en cours. Oh, je l'admirais juste. Oh, où j'en étais? Comment est-ce que Rosie fait ça? C'est du génie. Le bon vieux coup de la manche. Bon, ça devrait m'aider à tenir. Je ne peux pas faire ça avec mon cupcake. Dans quoi est-ce que je peux le cacher? Tu penses que ma brosse pourrait faire l'affaire? Je pense que ça peut marcher.
Quoi? Chut! Je vais te montrer un secret. Tu penses à ce que je pense? Oh, on est sur la même longueur d'onde! Retire les pics de ta brosse et insère ton cupcake dedans. Tu te souviens d'eux? Si tu casses le bâtonnet en plusieurs morceaux et que tu les plantes dans le gâteau, ils ressembleront aux picots de la brosse. Elle ne se doutera jamais de rien. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Quoi? Madison! Je me démêle juste les cheveux, madame. Vous voyez? Oh! Je dois changer mes lunettes. Je vois encore des cupcakes. Bon appétit! Qui a besoin d'une récré quand on peut manger en cours? Bien joué, ma vieille! Dites donc, il y a beaucoup de panneaux indiquant que la nourriture est interdite ici. Mais je fais ce que je veux. Non, vous ne faites pas ce que vous voulez. Pas ici. Je ne sais pas à quoi elle s'attendait. Il faut être rusé quand on va chez le dentiste. Caché à la vue de tous. Ça vaut vraiment le coup? J'adore le Nutella. Je pourrais passer ma journée à en manger. Arrêtez-vous là! Le chocolat est interdit! Au revoir, Nutella. Je vais aussi avoir besoin de ça. Lâchez-la. Mais c'était ma dernière cuillère. Bon, je vais prendre ça à la place. Méchante. C'est pour ça que personne n'aime le dentiste. Hé, je crois que j'ai une idée. D'abord, je vais avoir besoin de mon cher Nutella. Oh, c'est tellement bon. Ensuite, il va me falloir un tube de dentifrice vide. Et hop, vas-y, Nutella, c'est ta nouvelle maison. Et voilà, la quantité parfaite. Maintenant, il faut juste que je referme l'extrémité. Je vais me servir de ce fer à lisser. Bonjour, monsieur, je suis toute ouïe. Il faut vraiment bien se brosser toutes les dents. Je vais vous montrer ma propre technique. Oh, ça, je peux le faire. Ah, ce dentifrice donne envie. Voilà comment il faut brosser. Oui, c'est le meilleur dentifrice du monde. Alors, montrez-moi ce que ça donne. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Montrez-moi ça. Ce n'est pas du dentifrice, c'est du Nutella. Vite, je m'enfuis. Encore une patiente qui part en courant aujourd'hui. Oh, c'est plutôt bon en fait. Personne ne regarde, c'est le moment ou jamais. Je ne crois pas, non. Vous connaissez les règles. Oh, c'est injuste. Regardez-le. Oh, j'ai un plan. Il y a quelque chose qui manque à ce tableau. C'est bon, je crois que la voie est libre. C'est le moment de faire illusion dans ce déguisement. Bonjour, je suis médecin. Je veux dire dentiste. Je vais y aller. Tiens, il me dit quelque chose. Il y a quelqu'un là-dedans? Je crois que je suis tranquille. Je peux enlever ce costume. C'était moi pendant tout ce temps. Et ma blouse de médecin a les poches pleines de bonbons. Et de tout ce qui existe de bon. Personne ne peut m'arrêter maintenant. Je peux manger autant de bonbons que je veux. Je vais vite mettre tout ça dans ma bouche.
rendez-moi mes vêtements! Oh, bonjour! Désolée, mais je vais faire la sieste, là. Je n'arrivais pas à croire qu'elle lui ait donné une rose. C'est le moment d'être le plus discret possible. J'ai juste besoin d'un petit goûter. Aïe! Je me le suis jeté dans l'œil! Non, c'est sûr qu'elle a entendu ça. Hé, hey, vous, donnez-moi ces bonbons. Bon, ça n'a pas fonctionné comme je l'avais imaginé. Hé, hey, c'est une idée de génie. Alors, il va me falloir un foulard et de la colle alimentaire. Je vais juste déposer un point de colle sur le foulard. Et comme ça, je peux y coller les bonbons. Hop, je les colle tous. Génial! J'ai fini! Oh, mes pauvres dents! Hé, c'est le moment d'une bonne pause bonbon! Ça, c'est une rage de dents qui me plaît! C'est bon, le dentiste vous attend dans son bureau! Oh, bien sûr! Il faut que tout reste bien caché! Est-ce que vous pouvez enlever votre écharpe, s'il vous plaît? Oh, bien sûr, docteur! Oh là là! C'est un cas de variole! Un instant! Il y a quelque chose qui ne va pas sur mon visage? Ne vous inquiétez pas! Ça devrait vous remettre sur pied tout de suite! Attendez un peu, ne bougez pas! N'avancez pas plus! Vous ne pouvez pas avoir de nourriture ou de boisson avec vous, ici. Mais mon goûter! Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi ça, là-bas? Oui, cet aquarium me donne une idée. Ok, j'ai mon sac de Sprite, ça ressemble à de l'eau. Et j'ai mon requin en bonbon. Va dans l'eau, petit poisson! Oh, c'est mon poisson de compagnie! Oh, trop mignon! Allez-y, passez! Mon poisson et moi vous remercions! Juste une seconde! C'est le moment de prendre une gorgée! En voilà un bon Sprite au poisson! Hé! Hey, qu'est-ce que vous... Oh! Désolée. Il faut croire que j'ai entendu des voix. C'était moins une. Je l'entends encore! Ce bruit! Je pourrais jurer entendre quelqu'un boire. Cette fois, je vais la prendre sur le vif. Ah ah! Attendez, qu'est-ce que vous faites? Non! Ne mangez pas votre poisson! Oh non! Oups! Je vais juste prendre une autre gorgée. Elle me regarde? C'est peut-être l'occasion ou jamais. J'ai tout entendu. Entendu quoi? Je vous garde à l'œil. Mince! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer d'en manger indiscrètement. Oh, salut mon bon ami! Oh non, elle est juste là! Je savais que vous mijotiez quelque chose. Reposez ça! Oh, et maintenant? Bonjour, vous allez voir le dentiste aussi. Oh, bonjour. Attendez deux secondes. Vous êtes un sauveur. Oh, dis donc. Personne ne m'avait jamais appelé comme ça avant. Parfait, ça va être la solution à mon problème. Ok, j'ai mis mon faux casque orthodontique. C'est le moment de manger un petit bout. Je mange et personne n'a rien remarqué.
Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Rien, c'est juste mon appareil dentaire. Ah bon, tant que vous n'êtes pas en train de manger? Oui, oui, il n'y a que moi et mon casque orthodontique. Je ne mange pas. Bonjour les enfants, rappelez-vous de la règle. Pas de maquillage. Oui, on s'en rappelle. Mais une règle est faite pour être enfreinte. Oups! Quand on enfreint les règles, la créativité est la plus haute importance. Encore une petite touche couleur. Le mien est aux fruits rouges. C'est doux! C'est doux et c'est joli. Le club des licornes a encore frappé. Excusez-moi, mademoiselle. Vos cosmétiques dans la boîte. Oh, mais je n'ai pas de maquillage sur moi, madame. Vraiment? Eh bien, voyons ça. Non! Je perds contrôle. Ah! Elle est devenue indépendante. Non! Pas mon cartable! Je n'ai rien pu faire contre sa magie. Elle m'a bien eue. Mais pourquoi est-ce que notre prof est si sévère? Tu m'as trahi. Je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Allons! Ne pleure pas. J'ai une solution pour toi. Si tu n'as pas droit au maquillage, sois créative. Personne ne remarquera tes crayons cosmétiques. Parmi tes fournitures scolaires, tu seras toi-même bluffée. Tu vois? Et hop, dans la boîte! Tu as besoin de retoucher ton eyeliner? Vite, la prof va nous voir! Tu vas adorer! Oh, tu t'es vraiment dépassée, Annie! Les filles, qu'est-ce que vous manigancez? On colorie! C'est tout, madame! Vraiment? Laissez-moi voir ça! Les voilà! Il y a quelque chose qui cloche. On va se faire attraper! Je ne veux pas aller en colle! Non, ils ont un goût normal. Ouf! On a échappé belle! Ah, mes yeux se ferment tout seuls. Ce cours est un vrai somnifère. J'ai dormi combien de temps? Il ne reste qu'une demi-heure. C'est dur d'être créatif quand on est fatigué. Regarde, Kevin vient d'entrer. Il est tellement chou. Comment sont mes cheveux? Ah! Je ressemble à un zombie. Annie? Annie? C'est à moi que tu parles? J'ai entendu mon nom. Mais comment tu fais pour être parfaite? Et où est ton maquillage? Alors, tu me révèles ton truc? Tout est là-dedans, du fard à paupières secret. Tu as besoin que d'une gomme classique. Tu dois y tracer un rectangle, comme ça. Ensuite, tu découpes cette partie et tu y verses ton fard à paupières préféré. Tu n'as plus qu'à tasser le tout pour que ce soit bien régulier et tu remets la gomme dans son étui. J'ai bien fait d'apporter mon pinceau. Une petite retouche peut faire des miracles. Jolie, pas vrai? Je n'ai plus cet air endormi. Et maintenant, on referme. Rusé! Salut toi, est-ce que je peux? Waouh, tes yeux sont magnifiques! Je n'en ai jamais vu de plus beau! Eh oui, je sais! Waouh, Kevin est amoureux de moi! Ah! Est-ce que je suis à l'heure? Tout juste! Je vais m'asseoir. Eh bien, vas-y. Oui, oui. Elle est mal lunée. Excuse-moi, mais... T'as vu tes cheveux? Je crois que j'ai une brosse là-dedans. Ouf, heureusement. Le vent est mon pire ennemi. Jennifer. Abracadabra, ta brosse disparaîtra. Hein?
Mais comment est-ce qu'elle est rentrée là-dedans? C'est de la gelée? Il faut que je brosse mes cheveux. Elle croit qu'elle peut m'avoir. Mais j'ai encore mes doigts. Tu as l'air de souffrir. Je vais t'aider. Tiens, un cahier? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Il faut tout expliquer. On dirait un cahier normal, mais il cache en fait un peigne. Avec un peu de colle chaude, colle le peigne sur la reliure métallique. Et voilà, c'est prêt. Mais c'est du génie! Et tellement simple! Mes cheveux vont être soyeux! Mais elle frotte un cahier sur sa tête. J'ai peut-être besoin de nouvelles lunettes. Elle n'y a vu que du feu! Bien joué! Parfois, une petite retouche est nécessaire. Faut que je me dépêche. Jennifer? Hein? Je lis, madame. Tu connais la règle. Oui, je connais la règle. Jennifer! Encore un tout petit peu! Ah! J'abandonne! Je ne l'attraperai jamais! Je m'ennuie! Dommage que je ne puisse pas les utiliser. Ou peut-être que si. J'ai une idée! Prends un marqueur normal et enlève son étiquette. Enlève ça aussi. Ensuite, tu prends ton mascara préféré et tu mets une goutte de colle juste ici. Et tu n'as plus qu'à coller ce bout de plastique dessus. Enfin, tu colles l'étiquette de ton marqueur. Marqueur ou maquillage? C'est mon petit secret. Je ne peux pas vivre sans mon mascara. Et la prof n'a rien vu. Du bon boulot! Et je suis si jolie! Jennifer? Pourquoi tes cils sont-ils si longs? Voyons un peu ce qu'il y a là. Je ne vois pas de maquillage. C'est incompréhensible. J'ai besoin de faire revoir mes pouvoirs. Allez, un peu de ça. Et une goutte de ça. Et un peu de magie, bien sûr. Ça agit. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, il y a quelque chose qui cloche. Quelle catastrophe! Est-ce qu'ils s'en sont aperçus? Oh! Moi, oui. J'ai jamais été très forte en chimie. Oh, j'espère que c'est pas permanent. C'est parti! Tout le monde te regarde. C'est bizarre. Tu perds ton temps. Prends un taille-crayon comme ça, une fois vide. Tu y verses ton fond de teint préféré, puis tu remets le couvercle. Ensuite, tu mets un peu de colle sur le bout d'un crayon. Et tu y attaches une éponge à maquillage. Prête? Ce monde est si injuste! Quoi? On va arranger ton petit minois! Vraiment? Mais c'est cool! Trempe l'éponge une fois ou deux et ta journée est sauvée! Je n'ai même pas besoin de miroir! C'est beaucoup mieux maintenant! Je n'arrive pas à dormir! Je sais ce qui va m'aider! C'est le moment d'être discrète! On dirait que la voie est libre! Je ferais mieux de marcher sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit. Oh non! Non, j'ai dit que je voulais la grande tondeuse. Phew, c'était moins une. Ah! Un fantôme de cuisine! Chut, tais-toi! Regarde, les chocolats sont juste là.
On peut savoir ce que vous faites tous les deux au juste? C'était son idée, je le jure! Allez, on reprend les squats! C'est trop ennuyant! Il faut que je mange! Oh, ce donut a l'air délicieux! Il est tellement bon et frais! C'est quoi cette odeur? Ça sent le sucre et la pâtisserie! Hein? Il est apparu là comment ce donut? Je ne rêve pas! Je sens vraiment quelque chose! Bien joué! Phew, il a failli me surprendre! Heureusement que j'ai pris deux donuts avec moi! Je peux me remettre à manger! Celui-là est encore meilleur que le premier! Je continue de sentir une odeur de donut! Et je jurerais avoir entendu mâcher cette fois! Mince! Il a de nouveau des doutes! Pas possible! Un deuxième donut? Oh! Merci Dieu des donuts! Cet entraînement est dur! Mes donuts me manquent! Allez, allons là-dedans! Chut! Il ne faut pas qu'il nous trouve! Bon, on a le pain! C'est le moment d'ajouter de la confiture de framboise! Waouh! Tu es un vrai génie! Ça a l'air plutôt bon! C'est délicieux! Ah ouais? Regarde ce que j'ai! Ah oui! De la confiture dans un tube de dentifrice! Trop intelligent! On peut manger maintenant! Hein? C'est quoi ça? Thomas? Tina? Oh non! C'est maman! Elle nous a entendus! Je ferais mieux d'aller voir ce qu'ils font. Cache-toi! Elle arrive! J'aurais juré les entendre dans la salle de bain. Il se passe quelque chose d'étrange. Bon, j'ai dû rêver. Autant que je m'hydrate la peau tant que j'y suis. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attends une minute. C'est de la confiture. Thomas, Tina. Attendez un peu que je vous trouve. Et vous aurez de gros problèmes. C'est bon, on dirait qu'elle est partie. On peut se remettre à manger. Enfin! C'est trop bon! On l'a vraiment mérité! Ces bandes dessinées sont vraiment drôles! Personne ne me voit. C'est le moment de prendre un petit chocolat. Papa, t'es où? Mince, les enfants arrivent! Tu pourrais m'aider à accrocher ce cadre dans ma chambre? S'il te plaît, ça sera rapide. Bon, d'accord. Donne-moi le marteau et les clous. Ouais! Merci! Oh, des fruits! J'en prendrai bien, hein? Il cache des chocolats? Désormais, sa réserve est à moi. C'est bon, il est bien placé. Oh non! Reviens! C'est tout bon, Tina! Ton cadre est accroché! Merci beaucoup! Tu es le meilleur papa du monde! Elle est bizarre parfois. Allez, je suis de nouveau tranquille. Je vais m'assurer qu'il n'y a personne dans le coin. Oh, les chocolats ont disparu! Tina! C'est le moment de cacher mes délicieux bonbons! Ce scotch va être mon arme secrète. Je vais simplement coller des bandes de scotch sous ma couverture. Parfait! C'est le moment de cacher les bonbons!
Ouais, je suis trop intelligent. On dirait qu'il dort. Oh, qu'il est beau. On dirait un petit prince. Hein? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Maman, je t'aime. Tu es la meilleure maman du monde. Oh, tu es trop mignon. Ouf, c'était moins une. Allez, fais de beaux rêves. Je vais t'éteindre la lumière. Elle est partie. Enfin! C'est le moment de prendre un petit encas avant de se coucher. Ah, donne-moi tes bonbons! C'est quoi ça? Un monstre sous mon lit! Vite! Sous la couverture pour qu'il ne me fasse pas de mal! C'est trop facile de te piéger! Tina? J'avoue, c'était plutôt bien fait. Tiens, des bonbons pour toi! Waouh! Ça fait beaucoup de Skittles! Je n'arrive pas à croire à quel point tu avais peur! Waouh! Regarde-moi tous ces bonbons! Oh, je n'arrive pas à les attraper avec mes mains de monstre! Bon, d'accord. Voilà pour toi! Ouais! Des bonbons! Trop bon! Cette vidéo est incroyable! En plus, je pourrais faire pareil! Pas possible! Il est tombé la tête la première! C'est trop bête! Thomas, où est-ce que tu as eu cette boisson? Ne t'inquiète pas, c'est du jus de légumes, pas un soda. Oh, d'accord, ça va alors. Waouh, elle m'observe en permanence. Heureusement que j'avais tout prévu et que j'avais caché ma vraie boisson. Je dois m'assurer que toutes les plantes ont assez à boire. En parlant de boire, j'ai un peu soif. Je vais prendre une petite gorgée, ça ne le dérangera pas. Oh non! Maman! Attends! Non! Elle va me disputer! Waouh! Ce jus de légumes est délicieux! Je comprends pourquoi tu en bois. Oh! Elle m'a pris toute ma boisson! Heureusement que j'en ai une deuxième! Oh! Il s'est enfin relevé! Bon, je suis prêt à remplir ma mission qui est de plus haute importance. Waouh, excusez-moi, arrêtez-vous là. La nourriture et les boissons ne sont plus autorisées à partir d'ici. C'est très sérieux. Mais ce garçon vient de passer avec un énorme sachet de chips. Écoutez, je vous le répète, vous ne pouvez pas aller plus loin avec de la nourriture. Cette fille avait littéralement un caddie rempli de nourriture. Vous devez déposer vos aliments juste ici. Bon, d'accord, peu importe. Voilà mes chips. J'ai dû me battre! Les gens ne comprennent vraiment pas à quel point c'est sérieux! Très bien! Qui est le suivant? Voilà nos cartes d'embarquement! Tout a l'air en ordre! Mais voyons voir juste ça! Très bien! Vous pouvez passer! Je vous souhaite un bon vol! Waouh! Regarde là! Bonjour les garçons! J'espère que ça ne vous gêne pas que je passe, mais j'ai un vol à prendre. Voilà ma carte d'embarquement. Quoi? Tu te moques de moi, là? Ne la regarde pas! C'est moi que tu devrais regarder! Oh mon Dieu! Je suis vraiment désolée! Je ne voulais pas vous toucher! Ah, pardon! Hé, c'est un peu bizarre, non? Oh non! Je crois que j'ai perdu la moitié de mes fesses! Ah, j'espère que personne n'a rien vu! Je vais juste m'asseoir ici tranquillement. Waouh, regarde là! Ils sont vrais! Bonjour, j'espère que ce siège est libre. Qu'est-ce que vous faites dans ce coin? Je prends juste un petit goûter. Vous voulez des bonbons? Oh là là, vous n'allez pas le croire. J'ai aussi caché un bol de bonbons pour en avoir dans l'avion. C'est incroyable! Les grands esprits se rencontrent. C'est vraiment dur de garder la forme. Elles n'y mettent vraiment pas beaucoup d'huileur. Oh, un message. Je dois répondre. Vous deux, continuez de faire cet exercice. C'est bon, je crois qu'il est parti.
qui signifie que c'est l'heure du goûter. J'ai tellement faim. J'ai hâte de manger ce Snickers. Oui, il est si bon. C'est le meilleur goûter de tous les temps. Waouh, elle a l'air d'être affamée. Oh non, il revient dans la salle de sport. Vite, fais comme si on n'avait pas arrêté le sport. Qu'est-ce qu'elle a sur le visage? Oh, impossible. Faute! Arrêtez! Arrêtez tout de suite ce que vous faites! Bon, voyons voir où est la nourriture. Ah ah! Toi, donne-moi ce chocolat! Tu connais les règles! On ne peut rien me cacher. Maintenant, à ton tour. C'est tout bon, tu as bien suivi les règles. Je te félicite. Mais je garde quand même un œil sur vous deux. Hé, ne t'inquiète pas pour ton Snickers. Regarde mon t-shirt. Ce n'est pas un simple motif. Il y a de vrais bonbons dessus. Waouh, t'es vraiment très forte pour cacher de la nourriture. Je sais, c'est pas mal, hein? Bonjour, voici mon passeport. C'est bon, mais je vais vous observer de plus près. Je vais juste vous passer au crible de mon détecteur de nourriture. Donnez-moi ça. Le détecteur ne se trompe jamais. C'est bien ce que je pensais. On essaye de faire passer de la nourriture à la douane. Je vais continuer l'analyse, d'accord? Mais je voulais vraiment manger cette sucette plus tard. Dommage, je vais devoir la confisquer. Et je vais aussi vous prendre toutes ces sucreries. Même le chewing-gum que j'ai dans la bouche? Bon, prenez-le. Je vous rends votre passeport. Passez une bonne fin de journée. Bonjour, voici mon passeport. Oh, regardez-moi ça. Vous êtes rayonnante. Bon, je ne voudrais pas vous garder debout trop longtemps. Allez-y. Je vais juste m'asseoir sur un de ces sièges. Personne ne regarde? Non? Parfait. C'est le moment de dévoiler mon bébé. Mon bébé sucré. C'était vraiment une super idée de remplir ce ballon de plage avec du soda. Je peux prendre une gorgée dès que j'ai soif et personne ne le saura jamais. Joli ballon de plage. Oui, je suppose. Non, vraiment, c'est très malin. Regardez ce que j'ai fait. J'ai caché ma boisson dans mon chat en peluche. Il ressemble à un jouet classique, mais il est rempli de soda. Oh mon Dieu! Ça, c'est incroyable! Super ingénieux! Santé! Waouh! Ce défilé est génial! Ok, personne ne regarde. C'est l'heure d'un petit goûter. Où est-ce que tu as trouvé ce croissant? Je meurs de faim! Je n'ai rien mangé depuis des heures! Oh non! Je dois cacher ça! Il me manque un peu de poudre ici. Voyons voir. Peut-être celle-là. Oui, celle-là fera l'affaire. Et qu'est-ce qui se passe par là? Qu'est-ce que je vois? Des miettes? Quelqu'un a mangé par ici! Tu as amené de la nourriture! De la nourriture au milieu de mes vêtements! Quelle est cette viennoiserie répugnante? Je vais te dire ce que c'est! Une ordure! Et toi? Tu caches quelque chose? Non! Bon, bien joué, j'imagine! Elle est enfin partie! Heureusement parce que je meurs de faim et que j'ai besoin d'une sucrerie. Tu viens de manger du maquillage? C'est dégoûtant! Regarde, ce n'est pas du tout du maquillage! Je vais te montrer. J'ai pris un bonbon carré comme celui-là et j'en ai retiré l'emballage. Ensuite, l'étape suivante était facile. Je l'ai un peu ramolli dans mes mains. Je l'ai simplement fait rouler jusqu'à ce qu'il se ramollisse. Ensuite, quand il a pris une forme de boule, je l'ai un peu aplati. Puis, j'ai pris ma palette de maquillage et j'ai enlevé les fards. Le bonbon rentre parfaitement dans l'emplacement du maquillage. J'ai simplement tout rempli avec des bonbons. Donc, tu vois, je ne mange pas de maquillage. Goûte-en un! Oh, merci! C'est super bon! Bon, je vais juste ouvrir mon casier et sortir le rouleau de chewing-gum que j'ai caché à l'intérieur. Je crois que la voie est libre. Ce qui veut dire que je peux sortir mon chewing-gum! Hé, nous aussi on veut du chewing-gum! Fais passer! Oh quand même! C'était censé être mon chewing-gum! Tenez! Prenez-en! Tout le monde peut avoir un petit bout! Oh, il ne m'en reste presque plus! Juste ce petit morceau!
Seulement, il y avait un moyen de cacher mon chewing-gum pour que personne ne m'en réclame. Je sais, j'ai une super idée. Bon, j'ai mon rouleau de chewing-gum. Je vais en dérouler un peu et découper la bande. Ça devrait suffire. Et maintenant, mon pull. Pour cette étape, je vais devoir utiliser de la colle comestible. Je vais déposer de la colle sur mon pull dans une forme sympa, comme ça. Et je vais coller des bandes de chewing-gum dessus. Voilà! Mon pull est super mignon! Il n'y a personne dans le coin? Non, ce qui signifie que c'est l'heure de révéler le secret de mon pull. Personne ne sait que j'ai du chewing-gum, donc personne ne va m'en voler! Oh, oups! Je vois ce que tu as dans la main. Je peux avoir un bout de chewing-gum? Bien sûr, tenez! Génial! Merci! C'est mon parfum préféré! Waouh! C'était moins une! J'ai failli m'attirer des ennuis! Heureusement qu'il me reste encore plus de chewing-gum pour moi! C'est un défilé de très haute couture! J'ai une règle pour mon défilé! Les bonbons sont interdits! D'accord, on comprend! Et le chocolat aussi! Je déteste ça! Si vous avez un petit creux, vous pouvez prendre du céleri. C'est sain et délicieux. Vous pouvez en manger autant que vous voulez. Heureusement qu'on avait prévu le coup. Je ne veux pas manger ce céleri, ça me dégoûte. Eh bien, ne t'inquiète pas, j'ai un plan. J'ai amené des Skittles en cachette. Tiens, tu peux en prendre aussi. Qu'est-ce que j'ai dit à propos des bonbons? Ils sont interdits. Je vais les confisquer. Je suis vraiment désolée qu'il ait pris tes bonbons. Mais tiens, regarde ce que j'ai! Des chaussures! Mais ce ne sont pas que de simples chaussures! Tu as collé des Skittles sur tes talons? Trop intelligent! Tiens, prends-en un jaune! Je sais que c'est ta couleur préférée. C'est tellement meilleur que ce vieux céleri! Oh mon Dieu! Je viens d'avoir une idée géniale! Je reviens tout de suite! Ah, bon, eh bien, je suppose que ça fait plus de Skittles pour moi. Hé, regarde, je suis de retour et avec des vêtements tout neufs. Waouh, tu as créé toute une tenue en Skittles. C'est plutôt joli, non? Oh non, il est de retour. Elle va encore se faire prendre. Qu'est-ce qu'on a là? Cette tenue? Je n'en crois pas mes yeux. C'est magnifique, sublime, un chef-d'œuvre. Oh, oui, je l'ai faite moi-même. Et je trouve qu'elle est délicieuse! Il y a de la bonne musique à cette soirée! Arrêtez-vous là! Nourriture et boissons sont interdites! Quoi? Mais mon gâteau pop! Oh, d'accord, je vais partir! C'est trop idiot! Il va juste falloir que je le mange! Attends une seconde! J'ai une meilleure idée! Allez les vermicelles! Qu'il en pleuve! Ça va être incroyable! Ok, je devrais me lever! Ça devrait suffire! Et voilà, des vermicelles en maquillage! Je peux retourner à la soirée! C'est bon, je suis parée pour entrer maintenant! Oh, dis donc, vous êtes sublime! Entrez! La musique est géniale! Bon, quelqu'un regarde! C'est l'heure d'un petit encas sucré! Trop bon! Et en plus, personne n'est au courant! C'est bon, papier de bonbons enlevé. J'en ai la quantité parfaite. Non, vous ne pouvez pas amener ça à l'intérieur. Non, mes précieux bonbons! Eh oui, vos bonbons n'ont pas leur place ici. Oh non, mes bonbons sont tout mous et tout fondus maintenant. Attends une seconde, peut-être que cette barrette peut se rendre utile. Oui, c'est sûr que ça peut fonctionner! Je vais aplatir ces bonbons. Et maintenant, je vais me servir de cette règle pour le couper. Deux entailles dans deux sens différents. Maintenant, je vais prendre un de ces coins et je vais les empiler. Voilà, ça fait une belle pile. Ensuite, je vais les enrouler. Bien, maintenant je peux réutiliser ma règle. Je vais le couper en deux au milieu. Super, maintenant je vais faire passer un de ces morceaux dans la barrette. Ça ressemble à une petite fleur. Je vais juste donner un peu de volume à ces pétales. Et voilà, c'est trop mignon! Je peux la remettre dans mes cheveux maintenant. Et voilà, ça rend super bien!
Allez, je peux réessayer d'entrer dans la soirée. Laissez-moi vérifier ce que vous portez. Rien, rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez sur la tête? Juste de jolies barrettes. Vous pouvez entrer. Ouais, j'ai réussi à entrer. Et maintenant, je peux manger. Trop bon! Je vais garder le reste pour plus tard. Attendez, vous avez de la nourriture sur vous? Oh, pourquoi est-ce qu'elle est si en retard? Elle est où? Surprise, je suis là! Joyeux anniversaire! Ouais! Allez, on y va! Vraiment? Tu as vu les panneaux? Tu ne pourras jamais porter ce gâteau à l'intérieur! Quoi? C'est pas juste! Attends, viens là avec moi! Regarde, j'ai transformé le gâteau en chapeau! Mais non, c'est trop mignon! Ça va être génial! On y va! Encore vous? Vous essayez encore de faire entrer de la nourriture? Laissez-moi vous observer! Oh, j'aime votre chapeau! Trop mignon! Ok, c'est bon, vous pouvez y aller! Ouais, ça a fonctionné! On peut aller s'amuser! Wouh! Une soirée d'anniversaire en boîte! Allez, on attaque le gâteau! Miam! Ce gâteau est trop bon! Goûte un peu! Je ne vais pas me gêner, allez! Ce gâteau est vraiment bon! Finalement, cette soirée d'anniversaire est géniale! Oh, ça prend 1000 ans! C'est quoi ça? Oh non, 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 ce n'est pas possible! Oh non, elle est super énervée! Qu'est-ce que je vais faire? Moi aussi, j'ai de la nourriture! Je n'ai pas envie de jeter mes bonbons! Bon, je dois peut-être juste tout manger tout de suite. Je vais tout mettre dans ma bouche. Bon, et d'un, au suivant! Oh, comment je vais faire pour manger tout ça à temps? Elle vient de le virer de court! Et attends, je crois que je peux faire passer ces bonbons en douce. Alors je vais enlever ma cravate et maintenant mon bon vieux pistolet à colle entre en jeu. Je vais mettre des points de colle à l'arrière, voilà, et maintenant le côté élastique. Je vais ajouter des bandes élastiques jusqu'en bas. Super, comme ça mes barres chocolatées vont pouvoir se glisser là. Regarde, elles rentrent toutes. Je vais remettre ma cravate et je crois que je suis prête. Est-ce que tu caches des bonbons comme l'élève avant toi? Je ne sais pas. Tu as une attitude suspicieuse. Cette loupe dévoilera la vérité. Hé, on porte la même cravate! Très bon choix! Allez, bon cours! J'ai réussi! Est-ce que quelqu'un me regarde? Non, donc je peux prendre une barre. J'ai envie de laquelle? Ouais, celle-là! Je n'ai qu'à l'enlever de l'élastique. Les autres peuvent attendre pour plus tard. À l'attaque! À moi le chocolat! Je crois que le chocolat introduit en douce est encore meilleur. Oh, vous êtes les meilleures sucreries! Oh non, elle vérifie qu'on n'a pas de bonbons! Je crois qu'elle a une sorte de baguette magique pour trouver la nourriture. Non, pas les sucreries! Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas abandonner mes chéris! Il faut que je les cache à un endroit où elle ne les trouvera pas. Ça rentre peut-être dans mes chaussures? Bon, je vais juste tout mettre sous mon t-shirt. Oh, aucun de mes plans ne fonctionne! Oh, ces livres sont tellement lourds! Non! Ma map monde! Elle est cassée! Qu'est-ce que je vais faire? Bon, ne bouge pas. Map monde, je reviens. Hé! Mais la map monde est la solution! Ok, ma petite planète, tu viens avec moi. Bonjour madame, je suis prête pour aller en cours. Avant ça, il faut que je vérifie que tu n'as pas de nourriture. Oh, j'espère que mon plan va marcher. Bon, on dirait que tu n'as rien. C'est bon, tu peux entrer. Et bonne idée d'avoir amené la map monde. C'est bon, la prof me tourne le dos. Je peux ouvrir la map monde et prendre un petit goûter. Et il faut juste que je la referme après. Ouais, j'adore cette barre-là! Tu sais ce qu'il manque à ce cours? Un goûter. Elle ne me regarde pas. C'est le moment ou jamais. C'est quoi ce grincement? Oh non, non, non! Oui, j'ai du chocolat. Quoi? Tu as enfreint les règles! Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça. Donne-moi ça. Je vais prendre une craie.
Burk, elle doit détester les bonbons. Attends, qu'est-ce que tu fais? Elle mange de la craie? Oh, tu es surprise? Je vais te montrer un secret. J'ai pris des bâtonnets au chocolat. Et j'ai embroché des chamallows dessus. On peut en mettre plusieurs par bâtonnet. Et voilà, 4 chamallows et je les mets dans la boîte. On ne voit vraiment pas la différence. Tiens, tu en veux? Dis donc, merci beaucoup! C'est super intelligent! Oh non, mince! Cette craie arrive à sa fin! Oh, il m'en faut une nouvelle! Oh là là! C'était la dernière! Comment je vais faire? Oh, qu'est-ce que c'est? Tu as des craies? Ça ne pouvait pas mieux tomber! Quoi? Oh, oh non! C'est ma craie! Vite, il faut que je mange tout! Oh là là! Elle doit être affamée! Je vais la sauver! Tiens, tu peux reprendre ton chocolat! Il est temps pour moi de prendre un peu de Pepsi! Ah ouais! Voilà! Parfait! Ça va vraiment bien me désaltérer! Maintenant, j'ai aussi besoin de pop-corn! Les pop-corn et le soda forment vraiment une union parfaite! Mmm, miam! Trop bon! Les douches sucrées sont les meilleures. Je vous aime, les douches sucrées. Oh mon Dieu! Oh, c'était juste un rêve. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas lu l'affiche? Oh, non! Elle a des ennuis car elle a des chips. Prenez vos chips et sortez d'ici. Hé, avancez. J'ai pas toute la journée. Salut, je suis prête à aller m'asseoir. C'est pas vrai! Ces boucles d'oreilles sont en réalité des bonbons en forme d'ours! Attends une seconde. Moi aussi, je peux faire ça! Waouh, ça donne trop bien! Ok, je suis prête maintenant. Waouh, j'aime vraiment vos bijoux! Très bien, vous avez l'autorisation, vous pouvez passer. Merci! Oh là là, je m'ennuie! Oh, ça en met du temps! Hein? C'est quoi ce texto? Oh, des bonbons! Ça va rendre les choses plus intéressantes! Hein? Vous n'avez pas lu le panneau? Les boissons et la nourriture sont interdites! Incroyable, ils essaient toujours de faire rentrer de la nourriture en douce! Oh, waouh, elle est magnifique! Bonjour, mademoiselle. Comment puis-je vous aider? Eh bien, je suis là pour rendre visite à mon ami. Oh, que signifie cette affiche? Oh, ça, ce sont juste des médicaments. Et voilà les bonbons. Hein? C'est quoi, ça? Waouh, une voiture téléguidée! Elle est également remplie de bonbons! Trop bon! J'ai vraiment de très bons amis. Voilà, c'est juste un rappel pour nous, les docteurs. D'accord, merci. Attendez, ne partez pas! Zut! Retour au travail, je présume. Parfait, tu es très belle. Oh, j'ai trop faim. Oh, c'est dur, mais j'ai une idée. Attends une seconde. Ah ah, c'est ça que je cherchais. Ok, et voilà. Je vais en mettre sur tes lèvres. Ça a un goût sucré. Je sais, continue. C'est tellement bon. Merci. C'est ma palette super secrète. J'ai retiré tout le maquillage et ensuite j'y ai mis des bonbons en forme d'ours. J'ai rempli toute la palette. Avec 2 oursons pour chaque trou. Et ensuite, j'ai utilisé mon sèche-cheveux. Parce que je voulais faire fondre tous les bonbons. Ils ont fondu assez facilement. J'ai dû m'assurer qu'ils étaient tous chauffés. Et ensuite, c'était fini. Le résultat était parfait. C'est pour ça que c'est si sucré. Parce que c'est un bonbon. Tu es un génie. C'est trop bon. Vous pouvez entrer. Bonjour, je suis là pour le défilé de mode.
Qu'est-ce qu'il y a dans vos mains? Non, ce n'est pas autorisé. Mais... mes bonbons? Allez-y, partez d'ici. J'ai attendu ce défilé toute ma vie. Mais je crève de faim aussi. Hé, ce bonbon est en train de me donner une idée. Oui, ça pourrait totalement marcher. Je vais les coller sur mes cuisses. Je pourrais aussi lancer une nouvelle mode. Voilà, le dernier. Je suis si maligne. Bon, que le spectacle commence. Excusez-moi, je suis de retour. Je voudrais participer au défilé maintenant. Voyons voir. Parfait, ça m'a l'air correct, vous pouvez entrer. Oui, je l'ai fait. C'est presque un rêve qui devient réalité. Oh, ces cuisses, c'est ma propre création. Elles cachent également un secret. Les meilleures cuisses du monde. Rien de pire que d'être en retenue. Mon Dieu, j'ai faim en plus. Est-ce que le professeur me regarde? Bon, je pense que je peux shipper une collation. Ces chips feront l'affaire. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Hé! Tu connais les règles ici. Désolé. Ah, il est si méchant. Je garde les yeux sur toi. Attends une seconde. Je pense que je suis un génie. J'ai besoin de mon plumier. Car il contient en réalité plus de bonbons. Ah, bon, où est mon taille-crayon? J'ai besoin de tailler ça. J'arrive pas à croire que ça fonctionne. Je suis si intelligente. Qu'est-ce qu'elle mijote? Oh, je suis juste en train de tailler mon crayon, vous voyez? Maintenant, je retourne à mon écriture. Tout semble en ordre. Ok, il a l'air de nouveau distrait. Il est temps de manger un morceau. Miam, trop bon. Je suis si intelligente. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'elle soit assise juste à côté de moi. Elle est si belle. Ok, c'est ma chance maintenant que le professeur est distrait. C'est l'heure du chocolat. Elle est sérieuse? Je la vois. Oui, regarde ce magnifique chocolat. Non, il est à moi maintenant. Oh, quel dommage, elle vient de perdre son chocolat. Hé, attends une seconde. Je pense que je peux l'aider. Hé, j'ai ça pour toi. Pourquoi j'aurais besoin de ça? Ça va. Je ne... Waouh! Le sommet s'est retiré. Regarde à l'intérieur. Fais-moi confiance. D'accord. Waouh! Du chocolat! Incroyable! N'est-ce pas? On dirait presque de la magie. J'ai pris les crayons de couleur et coupé le fond. Ensuite, j'ai sorti mon pistolet à colle. Je voulais les coller ensemble rangés. Parce que je ne voulais pas qu'ils gigotent. Je me suis assuré de mettre une bonne quantité de colle. Il n'y avait donc aucun moyen qu'il bouge. Ensuite, j'ai pris la boîte de crayons. J'ai ouvert la boîte bien grand. Et ensuite, le chocolat est entré en action. Il s'est simplement laissé glisser à l'intérieur. Et ensuite, les crayons ont été placés au-dessus. Tada! Waouh, tu es si intelligent! Est-ce que le professeur regarde? Voilà, tu y as droit aussi, c'est équitable. Je n'arrive pas à croire qu'elle mange mon chocolat. C'est le plus beau jour de ma vie. Comment cacherais-tu ta nourriture pour la manger plus tard? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour plus de vidéos géniales comme celle-ci. Noël sans sucrerie, ce n'est pas Noël. Quelle est ta manière préférée de cacher des bonbons pour les apporter en soirée? Dis-nous dans les commentaires en dessous. Répands bien l'esprit festif en partageant cette vidéo avec tes amis. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-là.